Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vidéo d'analyse graphique de différentes sociétés, de différents secteurs d'activité, plutôt des grosses capitalisations. On fera aussi, comme d'habitude, un gros point sur le CAC 40 et on verra où en sont mes actions court terme, Esker et Arkema que je vous parle, que je vous ai parlé à la dernière vidéo et que je partage beaucoup d'infos sur Twitter. Donc pour les personnes intéressées par mon Twitter, le lien est dans la description. Je vous remercie pour vos nombreux likes sur les vidéos. Ça me donne de la force. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo. Et on va passer au sommaire. Donc on commencera comme d'habitude par faire un gros point sur le CAC 40, voir ce qui s'est passé cette semaine, et essayer de se projeter pour la semaine prochaine. On verra mes actions court terme, Arkema, Esker, où est-ce qu'elles en sont. Je vous ferai voir aussi le calendrier éco à suivre pour la semaine prochaine. Bah, surtout les grosses capis qui vont publier leurs résultats annuels, qui, je pense, vont donner le tempo au marché pour la semaine prochaine, voire peut-être les 2 semaines à venir, parce que là, on commence à rentrer dans le vif du sujet pour ce qui est côté actions françaises et côté États-Unis aussi avec les GAFAM et tout. Au niveau des actions, on verra STM, Eramet, Orange, Airbus et on finira par une petite synthèse de tout ce qu'on aura vu précédemment, sans oublier que je partagerai au niveau des résultats annuels pas mal de choses sur mon Twitter. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc, on se retrouve comme d'habitude sur TradingView pour faire le point sur le CAC 40. Donc, je suis en weekly. Bah, pour le moment, weekly toujours très positif sur le CAC. On voit qu'on est bien au-dessus de la moyenne mobile 10. On a fait une petite semaine à moins 0,39%, donc une petite bougie rouge. Mais bon, les vendeurs ne se sont pas précipités à tout lâcher, sachant qu'on arrive bientôt vers les plus hauts historiques, vers les 7200. Donc, on va dire une petite consolidation qui me semble tout à fait normale après cette grosse hausse qui a commencé au mois de septembre. On a fait vers le 26 septembre, on a fait presque 25%. Bon, on a fait 25%. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière, une petite consolidation, je pense, sans pause. Voilà, au niveau du weekly, donc positif au-dessus de la moyenne mobile 10, RSI au-dessus de 60, on n'est même pas encore en zone de surachat. Donc rien à signaler côté indicateur au niveau de l'hebdomadaire. En journalier, on était ici vendredi 13 la semaine dernière, donc je vous avais tracé deux chemins qui pourraient être intéressants pour le CAC. Une petite poussée encore haussière début de semaine pour avoir une consolidation pour repartir après chercher les 7200. Donc c'est un peu ce qui s'est passé cette semaine. On a eu un début de semaine intéressant avec des petites hausses tranquilles chaque jour. Jeudi, on a eu on va dire une forte baisse par rapport à toute la hausse qui avait attaqué début d'année de presque 2%. Mais vendredi, ça a pas continué à la baisse. On est resté neutre. On a fait un petit rebond de 0,063. Et donc là, maintenant, on est vraiment entre deux. On est sur la cime de la montagne, quoi, on peut dire. On est à 7000 points.
Donc, est-ce que nos 7000 points vont devenir vrai support pour aller chercher les 7200? Ou est-ce que nos 7000 points vont devenir résistance, sachant qu'on est à 6995? Donc, on verra ça lundi en clôture. Est-ce qu'on clôturera au-dessus des 7000 ou est-ce qu'on clôturera en dessous des 7000? Donc, au niveau des choses à surveiller la semaine prochaine, déjà, moyenne mobile 10, là, on est en support dynamique au niveau de la moyenne mobile 10. À voir si elle tient. Elle a tenu depuis le début de l'année, on l'a jamais clôturé en dessous. Donc, au niveau des possibilités, pour moi, c'est soit on casse vraiment les 7000 et fin de semaine, on se retrouve vers les 6800. On a un petit palier intermédiaire ici, là, 6862. Un petit support. Je vais vous mettre deux chemins qui, pour moi, reste très probable la semaine prochaine. C'est soit il y a encore des un flux acheteur pour vraiment aller jusqu'au 7200, presque la dernière résistance au niveau du CAC, avec ses plus hauts historiques qui sont, je vous le rappelle, à 7300, presque 7400. Mais je pense déjà, si on arrive à 7200, sachant que pour moi, on n'a pas encore de vrai catalyseur pour vraiment repartir haussier, sachant que le niveau des États-Unis, c'est encore baissier. On a un écart, vraiment, vraiment un gros écart entre notre CAC et même le S&P 500. Donc, est-ce que c'est nous qui avons raison et le S&P va bourrer pour nous rattraper? C'est possible. Est-ce que c'est probable? J'en sais rien. Ou est-ce que c'est plutôt côté américain qui ont raison et le CAC va fortement baisser? Ça, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est un peu anormal d'avoir un si gros écart entre deux grosses places boursières qui sont le CAC 40 et Wall Street. Donc on verra bien. Ce qui est sûr, c'est que là, on est en partage des eaux 7000. Semaine prochaine, on surveillera résistance des 7200, support des 6800, sachant qu'on a des grosses publications de résultats qui vont arriver. On va faire un rapide point là-dessus. Donc au niveau de la France, on aura par exemple lundi Eurobio Scientifique, mardi on aura Eiffage, on aura le tourisme avec Compagnie des Alpes, mercredi on aura Alstom, OB que j'ai en portefeuille long terme, que je suivrai de très près. Jeudi, je crois qu'on a les voilà LVMH, Valeurs du Luxe, Morel et Prom, etc. Donc on a vraiment du lourd. Hein. STM, que je vais vous en parler tout de suite après publication jeudi et vendredi, on aura Rémy Cointreau, sachant qu'aux États-Unis, on aura encore du très lourd aussi la semaine prochaine. Donc je pense qu'il va falloir suivre ça de près et que le marché, si on a des très bons résultats, partira à la hausse. Et si on a plutôt des déceptions, très probable qu'il parte à la baisse. General Electric, 3M, Microsoft, on a du très lourd. Hein. Je crois qu'on a Tesla aussi, on a Boeing, IBM, on a tout, hein. Tesla. Jeudi, on a Mastercard. Il y a du monde pour la semaine prochaine au niveau des résultats des deux côtés de l'Atlantique. Donc attention, on est à 7000 points. Au niveau du RSI positif, on vient de s'appuyer sur les 60. Voilà, moyenne mobile 10, je vous l'ai dit, on est posé dessus. On suivra ça de près la semaine prochaine. Au niveau du CAC 40, mais pour moi, va falloir surtout suivre les résultats des entreprises qui vont, je pense, donner le tempo pour la semaine prochaine. Donc, on va faire un très rapide point sur mes positions court terme qui sont Arkema et Esker. Donc, si vous me suivez sur Twitter, vous êtes au courant que j'ai vendu comme prévu Arkema à 93 euros. C'était la résistance qui est ici. Donc ça m'a fait 5%.
J'avais pris par ici, je crois, à 89 euros de PRU. Donc ça m'a fait 5%, donc plutôt satisfait, même très satisfait, hein. C'est toujours bon à prendre 5% sur un trade. Je vous avais parlé de pour les personnes qui sont toujours dedans des 95 euros. Prochaine résistance. Pour le moment, c'est toujours positif. On voit, il y a une respiration jeudi, mais on est au-dessus de la moyenne mobile 10. On travaille cette zone de résistance des 93 euros. Donc, possible qu'on aille chercher les 95 la semaine prochaine, si on a un bon courant acheteur sur Arkema. Pour ma part, moi, je suis sorti. Peut-être si on casse la moyenne mobile 10 et qu'on passe en dessous de la MM200, on pourrait très rapidement revenir vers les 82 euros si on a une vraie pression des vendeurs. Après, on a une petite zone intermédiaire là vers les 87 euros pour Arkema. Bon, voilà. Où j'avais pris position quand on était sorti de cette grosse zone de consolidation là qui avait duré plus d'un mois. Donc voilà pour Arkema. Esker, il s'est passé autre chose sur Esker que j'ai en portefeuille et que j'ai toujours. Pourquoi? Je vous avais dit que je suis à 162 de PRU, je visais les 178 et on a eu une pas belle bougie jeudi, moins 8%, et ça s'est continué même vendredi à cause on va dire de la pression des banques centrales qui ont haussé le ton au niveau de la remontée des taux. Donc pour les valeurs tech, pas bon signe. Donc ça a lâché, on a cassé ce support oblique qui avait bien tenu. Et pourquoi je l'ai gardé? Parce que je pense vraiment que si le CAC doit vraiment reprendre la marche en avant, mais on va dire dans une tendance haussière saine. Faut vraiment que les valeurs de croissance, les valeurs du Nasdaq rebondissent vraiment pour vraiment qu'on reprenne la marche en avant, mais sainement, parce que pour moi, là, il n'y a rien de sain dans la montée du CAC. Ils montent tout seuls, les yeux, la tête baissée, et on a encore des problèmes d'inflation, des taux et tout. Donc je garde Esker parce que je pense que les premières valeurs qui vont vraiment vraiment rebondir durant cette année, peut-être que dans 6 mois, ça sera vraiment les valeurs de la tech et en premier lieu les valeurs de l'autre côté de l'Atlantique, sachant qu'elles ont vraiment vraiment du retard. Donc c'est comme Dassault Systèmes que je vous ai parlé. Esker, je vais garder comme Dassault Systèmes. Si elle continue de chuter vers les 100, 138 euros. Peut-être un palier pour faire baisser mon PRU. Et dernière zone, 120 euros. Donc je garde horizon d'investissement d'Esker comme Dassault Systèmes, je pense 1 an, quand on sera sorti de la hausse des taux et que les valeurs tech vont vraiment rebondir, sachant que Esker ont publié leurs résultats qui sont vraiment, on va pas dire exceptionnels, mais qui sont vraiment corrects. Donc voilà pourquoi je garde Esker. Après, graphiquement, on a cassé ce support, donc c'est pas bon du tout. Prochain rendez-vous, c'est 141 euros. On essaiera de tenir la moyenne mobile 200 qui est en train de s'aplatir en support dynamique. Et puis on verra bien ce qui se passera. Je vous partagerai bien sûr tout ça sur Twitter. Donc passons maintenant à STM. Donc STM, on va se mettre en hebdomadaire. Pour voir vraiment la tendance, vraiment très belle valeur de croissance. On voit que depuis 2017, on n'a jamais franchi vraiment la moyenne mobile 200. Ça monte très bien. On avait belle hausse, consolidation 2019, rebelle hausse jusqu'à crash Covid. Et après, on a vraiment fait une belle. J'avais même crassé un canal haussier qu'on a cassé par le bas. Et après, on s'est mis. Depuis février 2022 en forme de range. On va se mettre en daily.
Donc sur STM, voilà, un range entre 38 euros, 31 euros. On a eu un petit excès haussier là, excès baissier ici en mois de juin. Et le range est plutôt respecté. Et ce qui est intéressant, ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est qu'on tente de sortir par le haut de ce range. On était monté jusqu'à presque 40 euros. Là, on a eu un petit pullback les deux derniers jours, jeudi et vendredi. Et là, on est en train de tenir. On a une bougie plutôt intéressante, mèche basse, sur les 38 euros. La M10 positive parce qu'on voit on n'a jamais clôturé en dessous. On a failli vendredi, mais positif. RSI positif, on est vers les 60. Donc pour STM, c'est vraiment tenir maintenant ce support des 38 euros. Et pour vraiment, moi je vais attendre de voir la semaine prochaine pour objectif tenir les 38 euros. Comme je vous l'ai dit précédemment, les valeurs de la tech. STM, c'est du solide, mais voilà, avec les taux, elle est impactée. Pour après, première zone à aller chercher 41 euros 65 et plus haut si on part vraiment à la hausse au niveau du CAC. Quand on se met en hebdo, je pense que STM faut la regarder en hebdomadaire. Quand voilà, cette semaine une bougie sans corps. Si la semaine prochaine on a une belle bougie, un peu comme la semaine du 9 janvier, vraiment une belle bougie hebdomadaire haussière avec un vrai signal qu'on est sorti de ce range à 38 et qu'on clôture vers les 40, je pense qu'on aura une vraie porte de sortie de range et pour aller vraiment plus haut, sachant qu'en plus au niveau du stop, on mettra juste en dessous de 38. Donc c'est ce que je vais regarder pour STM la semaine prochaine et surtout fin de semaine prochaine, voir où est-ce qu'on clôturera vendredi soir. Par contre, si on clôture vers les 36 euros, et bah c'est de re retour dans le range et attention qu'on n'aille pas vraiment chercher la borne basse des 32 euros, mais tout ça, je partagerai bien sûr sur Twitter. Mais STM, très bons fondamentaux pour les personnes intéressées par STM pour du très long terme. Si c'est une envolée après 38 euros, faudra se positionner ici. Et si on rentre dans le range, je pense que 32 euros, c'est un très bon prix pour du très long terme pour STM. Sachant qu'elle verse aussi un petit dividende intéressant. Donc voilà au niveau de STM, l'analyse graphique. Donc passons maintenant à Eramet. Donc c'est un groupe minier, métallurgie, matières premières, on va dire, acier, etc. Au niveau graphique, je suis en hebdomadaire pour vous montrer. On voit la moyenne mobile 200 qui est vraiment horizontale. On a un peu, on va dire, un range, mais bon, quand il y a un range entre 156 et 18 euros, bon, pour moi, c'est pas trop un range, il y a trop d'écart, mais on voit très bien plutôt des bons supports en hebdomadaire, on va dire 19 euros et grosse résistance des 144 euros. Voilà, on va se mettre en daily. Donc en daily, ce qui est intéressant, ce qui s'est passé cette semaine, c'est qu'on a cassé cette résistance des 86 euros sous 87 euros. On a fait un petit pullback fin de semaine, ce qui va nous poser, je pense, problème. Sous peu, ça va être la moyenne mobile 200 qui, je pense, va nous faire résistance dynamique un peu comme au mois de juillet et août là 2022 qu'on n'avait pas réussi à vraiment clôturer au-dessus. Donc attention. Ensuite bien sûr ne pas repasser en dessous des 85 euros. Sinon on aura cassé cette belle dynamique haussière qui s'enclenchait le 21 octobre avec des plus bas de plus en plus haut. Donc si on vient vers les 84 euros, on sera plus bas que le plus haut du 29 décembre. Donc pas positif du tout. Au niveau du RSI, on est au-dessus de 50, donc plutôt en zone neutre, mais en dessous des 60.
Donc à suivre de près. Après, pourquoi je vous présente Eramet, c'est que je me pose pas mal de questions pour les matières premières. Parce que si la Chine réouvre, on sait très bien que bah, pétrole, matières premières, acier, etc. vont, je pense, repartir à la hausse. Peut-être que déjà le marché a déjà pricé au niveau de la Chine. Mais je me pose une autre question, c'est au niveau de la récession États-Unis-Europe. Si par exemple il n'y a pas de récession ni aux États-Unis ni en Europe et que la Chine réouvre, j'ai bien peur. Bah, j'ai bien peur. Je pense que les matières premières, pétrole, acier, etc., vont très probablement repartir fortement à la hausse. Si on a une récession Europe et pas États-Unis et réouverture de la Chine, bah, la récession fera que les matières premières vont plutôt baisser, mais si on a la Chine et les États-Unis, je pense qu'il n'y aura pas une grosse baisse des matières premières et ni une grosse hausse. Mais si bah, va falloir suivre ça de près, quoi. Je me pose cette question au niveau des matières premières. Donc c'est pour ça que je vous fais voir Eramet, qui pourrait très bien continuer sa hausse avec la réouverture de la Chine et peut-être pas de récession, ou peut-être une toute petite récession. Donc on suivra ça de près. Est-ce qu'on a un petit... Ouais, non, c'est pas très clair du tout ce support oblique. Donc on à suivre la semaine prochaine. Pas de clôture en dessous des 85 euros. Et si on arrive à titiller cette moyenne mobile 200 et essayer d'aller clôturer vers les 98 euros, ça pourrait nous donner possibilité de retourner vers les première zone, bah c'est 110 euros. On voit très bien cette zone de prix qui a été pas mal travaillée. Ici résistance, là c'était support cassé, résistance, résistance. Donc voilà, 107 euros, 110 euros qui pourraient déjà nous faire un bon petit gain si on prend vers, on ferait 15%. Si on attend vraiment vers les 98, un stop en dessous de la moyenne mobile 200, voir si elle joue bien le rôle de support dynamique. Là déjà, on va voir si elle joue bien son rôle de résistance. Donc à suivre au niveau des ramètres que je vous partagerai si je me lance dedans sur Twitter avec le plan de mon plan de trade qui ira avec. Voilà au niveau des ramètres. Donc passons maintenant à Orange. Donc au niveau d'Orange en hebdomadaire, je vais vous faire voir ce gros support, mais bon, qui est un peu quand même trop long terme, mais qui a bien fonctionné quand on regarde. Un support de 2002 qui a joué après son rôle en 2013, crash Covid, 2020, deux trois fois en 2020, en 2021 aussi. On y est retourné encore en octobre 2022. Donc je voulais vous montrer ce très gros support oblique haussier là. On va se mettre en daily pour voir ça de plus près au niveau d'Orange. Donc en daily, la semaine dernière, on a eu une belle correction. Ce qui était intéressant là, il y a 2 semaines, c'était cette petite consolidation là, latérale. Mais on s'est confronté à la moyenne mobile 200. On voit très bien qu'on n'a jamais clôturé au-dessus. Après, ben, c'était soit on casse la moyenne mobile 200 et les 10 euros et pour essayer de repartir à la hausse, ou soit on casse par le bas. Ben, on a cassé par le bas. On a même ouvert un gap baissier, cassé la moyenne mobile 10. RSI, on est en dessous des 50, on n'est pas loin des 40. Donc là, pour le moment, il n'y a rien de positif, à part la bougie de vendredi. On s'est arrêté dans la baisse. Ce jour de la semaine, on s'est arrêté avec Orange vendredi. Donc là, on est sur une zone de polarité des 9,60 €. On voit qu'avait joué plusieurs fois le rôle de support, qu'avait joué le rôle de résistance en novembre, qu'on avait cassé avec de la vitesse le 4 janvier, on est de retour dessus. Donc pour Orange, la semaine prochaine, bah, voir si ce support tient pour repartir à la conquête de la moyenne mobile 200, et si le support lâche,
et bah ça sera peut-être direction ce gros support que je vous ai montré en hebdomadaire oblique, voire cette belle zone aussi de polarité des voilà, si on arrondit, c'est 9 euros quoi. 9 euros, très grosse zone là qui était résistance, qui est devenue support. Donc on verra tout ça la semaine prochaine au niveau d'Orange si on casse le support des 9,60 euros, peut-être direction les 9 euros ou revenir vers attaquer cette moyenne mobile 200. Voilà au niveau d'Orange rapidement que je vous partagerai sur Twitter. Donc passons maintenant à Airbus, donc très très belle société française que j'aime beaucoup mais que j'ai pas en portefeuille long terme. Mais là en hebdomadaire, on voit que depuis 2010 au crash Covid, on était au-dessus de la moyenne mobile 200. Crash Covid, ça a fait du dégât. On a consolidé là pendant presque un an. Après, on a rattaqué cette moyenne mobile 200 qu'on a franchie, mais voilà, sans trop exploser, on va dire, à la hausse. On a la moyenne mobile 200 à plat, un peu en forme de range, mais plutôt baissier. On voit là, en hebdomadaire, des plus bas, de plus en plus bas. Et depuis ce gros support des 88 euros, on a explosé à la hausse. On a franchi toutes les résistances. On avait cette résistance des 100 euros qu'on a franchi. On a été après encore plus haut vers les 110 euros. On a consolidé latéralement. Et là, on est reparti encore à la hausse, direction les 120 euros. Et là, c'est un peu comme STM pour Airbus. C'est notre dernière résistance majeure. Pour après vraiment retourner, objectif pour Airbus, c'est de retourner assez plus haut d'avant Covid, sachant qu'il y a énormément de sociétés qui sont arrivées. Donc voilà, pour ma part, Airbus, que je vais attendre, c'est un peu comme STM, c'est une clôture peut-être hebdomadaire, on va dire vers les 120 euros. Si on clôture par exemple la semaine prochaine au-dessus des 120 euros, et ben pourquoi pas essayer de prendre une position Airbus pour essayer d'aller retoucher ces plus hauts d'avant Covid, 137. Après bon, on a d'autres paliers intermédiaires, mais voilà. En plus, on aura un stop vraiment en dessous de bah qui des en dessous vers les peut-être 117 euros, 118 euros, très très court, très court, voilà, vers les, ouais, 116, 118, stop très court, si on arrive vraiment à casser avec des volumes, avec une très belle bougie hebdomadaire, les 120 euros. On voit que c'est vraiment notre dernière résistance, pourrait vraiment aller chercher. Après, on a cette zone quand même intermédiaire qui pourrait générer quelques prises de bénéfices. Voilà, tracé au cas où. Mais bon, voilà, déjà, si on arrive jusqu'à 125 euros, ça fait déjà une très belle progression pour Airbus. 6%. Voilà. Puis après, on ajustera nos trades par rapport à ce qui se passera. On n'y est pas encore, mais pour ma part, je surveille Airbus de très près. Sachant que RSI, on vient de passer les 60 positifs. Moyenne mobile 10, on est toujours positif. Donc on suivra tout ça la semaine prochaine, que je partagerai bien évidemment sur Twitter pour les personnes intéressées par Airbus. Sachant que voilà, fondamentalement, c'est du très très solide, donc je me fais pas de soucis. Je me dis que quoi qu'il arrive, on ira plus haut que 137 euros, peut-être pas cette année, mais dans un an et demi, c'est sûr qu'on y sera au-dessus. Donc voilà au niveau d'Airbus. Pour les personnes intéressées par Airbus pour du très long terme, et ben je pense que déjà
Si clôture au-dessus des 120 euros en hebdomadaire, je pense que vous pouvez déjà prendre position. Si par contre on retourne en dessous de cette résistance des 120 euros, et ben les autres zones pour, je pense, du rentrée du long terme, il y a cette grosse zone des prix ronds 100 euros. Ici, bah, si vraiment il y a catastrophe sur le CAC et qu'on retourne vers les 88 euros, 88 euros pour Airbus, c'est, je pense, un très très bon prix. Donc pour du très long terme, première zone 100 euros et 88 euros pour les plus pressés, 110 euros. Voilà au niveau de mes trois paliers d'investissement long terme pour Airbus. Pour conclure cette vidéo, on va se retrouver sur le CAC pour voilà, y a, pour la conclusion, c'est vraiment suivre les résultats annuels des entreprises des grosses capilles françaises. On suivra ça de près. Et puis, comme je vous l'ai dit, on est à 7000 points. Soit la semaine prochaine, on clôture au-dessus des 7000 points et c'est positif. Soit on a une plus de consolidation, plus de. Après, si on retourne vers les 6800, c'est pas non plus catastrophique. Si on regarde les fibos de cette dernière hausse, voilà. Hein. Si on revient vers les 6800, ça nous ferait même pas 50, ça nous ferait un peu plus de 38,2 de retracement de fibos. Donc, c'est pas non plus la cata. On pourrait très bien retourner vers les 6800 pour repartir sereinement rechercher les 7000 et 7200. Je pense qu'il serait même plus sain de revenir vers les 6800 pour vraiment qu'il y ait les acheteurs qui se représentent vers les 6800 pour repartir à la hausse. Mais si le CAC est très fort, on pourrait repartir aussi directement le début de semaine prochaine chercher les 7200. Mais comme je vous l'ai dit, ça sera, je pense, les résultats des entreprises du CAC, et je pense que si les résultats des GAFA côté États-Unis vont aussi jouer un rôle très important au niveau de notre CAC pour la semaine prochaine. Voilà, donc faites attention à vos investissements, suivez le marché et n'hésitez pas à venir me follow sur Twitter, que je partagerai, je pense, chaque jour pas mal de graphes que j'avais partagé la semaine dernière. J'avais pas mal de graphes, donc je pense que je continuerai dès que je vois quelque chose d'intéressant. Je vous partage ça sur Twitter. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît ce genre d'analyse graphique sur des sociétés de différents secteurs d'activité qui me semblent intéressantes graphiquement. Donc c'est pour ça que je vous les partage et je vous donne mon point de vue. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à venir me suivre sur Twitter, le lien est dans la description, à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!